En méditant, il ne s'inquiète pas. Ici, là, hein? Allez, pour l'amour et la lèche, des gros, avec moi. Satan, Belzébuth, Lucifer ou l'homme blanc, loin de ton cauchemar. C'est Roy Enoch lui-même, il est là, par ici, vraiment, au studio de Neochrome. On est vraiment dans les bureaux calmement posés pour lui, en provenance du Canada, des States, tout ça, il est là, Roy Enoch. Bienvenue à Paris, la famille. Ça se passe ou quoi, t'entends? InTheHood.com, c'est ça qui se passe, petite pute, t'entends? Tu te branches, t'entends, sur l'internet, www, t'entends, ça se passe, InTheHood.com. Reste branché pour plus d'exclusivité, ça ne fait que commencer, petite pute. Hein? Tu me sens ou quoi? Si. Roy, comment vas-tu la famille un peu? Les choses se passent, t'entends, je suis à Paris. Les choses se passent, Danza, t'entends, je connecte avec Tony Danza. On sait que toi, t'es pas un mec vraiment qui vient très souvent en France, mais quand tu viens en France, ça fait énormément de bruit. Hein? Ça fait déjà combien de fois que tu viens à Paris déjà la famille un peu? C'est la deuxième fois et c'est la première fois que je trouve vraiment de l'hydroponique, t'entends, de qualité. Hein? Ça se passe à fond, Rokanka. M'a fourni cette hydro, salutations à Rokanka, les choses se passent, une connexion de Tony Danza, Danza, petite pute, tu vois ce qui se passe, tu veux ces sons, Tony Danza, Rokanka m'a fourni cette hydro, je plane, t'entends ce qui se passe, je putain plane. Si, on va parler un peu de ce script album qui se prépare, qui va être bientôt lancé dans les bacs en France ici. Un CD mixé, t'entends, c'est plus des mixtapes, moi je vous corrige, t'entends, j'arrive comme un genre de nazi dans ce rap de merde et je vous corrige, hein? On appelle ça un CD mixé, ce sont des CD que tu mixes, alors ce ne sont pas les mixtapes, je vous apprends à parler, le CD mixé Cocaine Rap Music accompagné du DVD Cocaine Rap Music bientôt, t'entends? Après il y aura la guerre des étoiles avec Ruff, Cefiu et tous les vrais négros de Paris, t'entends? Ça se passe ou quoi mes purs sang, hein? Ça se passe et après en troisième, vers septembre, musique capitaliste, avec des participations de Rape Monde de Chef, salutations à Lou Legs Diamond, t'entends? Cuban Link 2 s'en vient bientôt pour ses putes, sur Aftermath, c'est chaud, c'est grand, ça se passe, musique capitaliste. Ouais, non, pourquoi t'as voulu appeler ça, vraiment c'est mix, cocaïne rap musique vraiment alors, pourquoi? Parce que c'est une musique à base de morphine, t'entends, c'est une musique... avec des écailles de poisson. Qui fait très mal en fait. Hein, c'est comme si tu as une poudre de la Bolivie, quoi. T'entends? Une poudre du Pérou. Alors, il n'y a pas de coupe. C'est un rap pur. T'entends? Une cocaïne rap musique, on recycle cette merde de cocaïne cuite en rap. Donc, on crée la cocaïne rap musique. Tu vois ce qui se passe? Si. C'est ta nouvelle dépendance, quoi. Roy Enoch, toi, on te connaît un peu plus. Tu maîtrises bien l'anglais. L'anglais, mais pourquoi tu veux pas parler un peu en anglais justement? Parce que je suis un haïtien et on est libre, on a tué beaucoup de ces français d'antan pour qu'on puisse avoir une petite île libre. Donc, si il y a une race qui doit bénéficier de cette putain de langue, ce sont bien ceux qui ont tué pour. J'ai coulé le sang pour cette langue, alors je crache le feu en français, je m'exprime pour, t'entends, pour ceux qui savent, t'entends, ceux qui savent l'heure, t'entends, leur suisse, mec. Parce qu'à ce qui paraît, il y a des rumeurs qui courent que t'as des grands rappeurs, justement, américains avec lesquels que tu traînes, et qui n'acceptent pas que tu parles français devant eux, mais toi, tu te forces justement à parler ce français que tu maîtrises si bien. Oui, car le fait que mon français goûte bon dans ma bouche vous surprend. Et certaines putes ou certains insécurisés croient un truc de... T'entends, une parodie, quoi. T'entends, genre, tu vois, hein? Certains mecs pensent que bon, que c'est parodique. Mais la seule chose qu'il y a, c'est l'hydroponique, t'entends? De Rokanka, lorsque je suis... Et je plane. Alors, tout se passe pour vrai. Tu vois le style de bracelet? Tu vois le style de bracelet? Si. Diamant jaune, toutes sortes de merde là, t'entends ce qui se passe? Tu peux nous dire un peu combien ça coûte tout ça un peu ou quoi? Non, ça coûte, bon, on a peut-être un 10 000 US car j'ai des pierres, mais ce ne sont pas de grosses pierres. Ici, c'est un autre quoi, c'est un autre 8 000 US. T'entends, c'est chaud, je vais rester vrai, j'ai payé dans le bout de 20 000 pour les deux quoi. Pas que dans les bras là, t'as 20 000 euros. 20 000 US, ouais. Euros, si tu veux, peut-être 17 000 euros, quoi. Pour les deux qui étaient abordables, quoi. Pourquoi, par exemple, autant de bling-bling, vraiment? C'est un minimum.
J'ai l'autre là que, qui est dans ma chambre, j'ai payé ça 70 000, à peu près 50 000 euros pour le t'entends ce qui se passe. C'est ça qui se passe sur le poignet, t'entends? Pendant que tu t'es sur le poignet, et tu. Moi, je suis. Mon poignet, il brille. Tu vois ce qui se passe? J'ai si, Roynek. Mais Roynek, tout à l'heure, tu as parlé un peu de justement de grands rappeurs français. Tu as cité le nom Rov, Sefiu. Ça veut dire que tu prépares quelque chose avec eux un peu ou quoi, non? La surprise de la France, comme vous avez vu, musique capitaliste avec Raekwon, une surprise de la France. Qui est la surprise de la France? C'est qui justement qui la surprise? Qui est ton papa, toi? Hein? Qui est ton papa? Qui ta meuf kiffe? Alors, point d'interrogation, je vous ai prévenu pour Sarkozy. Alors, en 2007, vous avez élu Nicolas Sarkozy et Roi Enoch. J'arrive, je fous tous ces rappeurs français dehors. Je choisis mon cabinet en commençant par Tony Danza. Tu vois ce qui se passe? Tony Danza dans la place. Hein? Et je choisis des purs sangs, quoi. Pour faire ce rap de merde, je vous donne ce qui manque pour que vous arriviez. Pour qu'en Amérique, on vous kiffe, quoi. Tu vois ce qui se passe? Hein? Roynek, pourquoi Tony Danza, justement? Pourquoi? Car il a le pénis de venir d'un QBC et de connecter avec le roi, de venir sur la rive sud et pas sous-estimer. Avec des questions parodiques, t'entends que, à cause d'une insécurité, il vient voir, et lorsqu'il vient voir, il sait que ça pue la putain de merde, hein. Il sait que c'est l'oseille, il sait qu'on fait des bulles avec plus que le putain de 9 à 5, t'entends, on fait des bulles avec ce qu'on peut, mais on fait des putains de bulles. Si. Ouais, mais, et cet album est vraiment prévu pour quoi, alors? Pour la cocaïne rap musique au printemps. La guerre des étoiles, je vais essayer de mettre ça dehors vers juillet. Et les premières pièces de musique capitaliste va sortir peut-être vers août, quoi. Avec des clips et tout. Là, je fais des clips avec des meufs. T'entends toute cette merde. Des meufs à l'américaine, comme tu t'exprimes si bien comme ça, non? Avec à l'américaine, à l'européenne, je suis sur les diamants suisses. Ça, c'est tous des trucs qui viennent de la Suisse, qui viennent de Londres. Tu comprends? Donc, je suis sur les trucs de l'Europe, les Mercedes, les Porsche, je suis même sur des Peugeot. Tu vois ce qui se passe, mais elles sont rares, mais je suis sur ce délire, je suis sur le luxe. Si. Ouais, mais combien coûte cette fourrure que tu as là? Vraiment, bon, 1000 euros. Un petit 1000 euros, ça, j'ai acheté ça dans Jamaica Queens. T'entends, les choses se passent car ils font des coupes sur mesure. Moi, je voulais une coupe qui est ample, une coupe qui est légère. Ça se porte bien et c'est noir, donc je peux le mettre avec des Timberland, le vendeur de poudre. Je suis noir sur noir. Je le mets pendant 5-6 ans, il reste propre. Tu vois, genre un délire. Si. Donc, Roynek, t'es l'un des rappeurs le plus attendus actuellement en France, au States, au Canada. Qu'est-ce qui fait que tu es l'un des rappeurs les plus attendus justement actuellement? Je crois que c'est le cœur, t'entends le cœur, on parle toute cette merde, mais le cœur, il faut que tu ailles le cœur. Lorsque tu dis des trucs, il faut vraiment que tu les sens et que tu les penses et que tu y crois. Alors, c'est toute une question que les gens peuvent voir le feu, t'entends? Ils savent reconnaître le feu, t'entends? Lorsque je crache le feu, les gens savent, t'entends? Alors, lorsque je parle vrai, vrai parler, petite pute. Tu vois ce qui se passe? Je parle vrai, vrai parler. T'entends? Vrai parler. Ouais. Est-ce que Roynek aime la France? J'adore la France, j'adore la putain de France, t'entends? Comme je dis dans la guerre des étoiles, j'adore la putain de France, car il y a 70 millions de mecs dans les alentours, il y a la Suisse, il y a toutes sortes de territoires. Salutations à tous mes mecs de Belgique, ça se passe. L'Europe, la France est à fond. Pourtant, j'aime la masse de gens qui sont regroupés sur un territoire aussi petit. T'entends, ça dégage une sorte de bombe nucléaire. T'entends, c'est comme une sorte de. C'est ça. C'est un système nucléaire qui va sauter, mais pour le moment, je trouve que les choses se passent bien, quoi. Si. Une dernière question pour Roynek. Roynek, si aujourd'hui tu es venu en France pour imposer ton rap, c'est parce que tu estimes que le rap en France c'est de la merde ou quoi, non? Non, le rap en France c'est pas de la merde. Le rap en France, ils font ce qu'ils ont à faire. Ils avancent le jeu, t'entends?
Moi, je donne des salutations même à Diams, car je kiffe les putains de chiffres. T'entends? Je kiffe les putains de chiffres, Motown. T'entends? Appelle le roi. Hein? C'est l'oseille qui m'intéresse. Tous ces labels, tous ces Sony, ces... T'entends? Tous ces boîtes. Vous voulez une nouvelle vie? Appelez le putain de roi, car prier Jésus ne changera rien. T'entends ce qui se passe? Hein? J'adore les mecs de France qui font ce rap, mais il leur manque quelque chose pour que les Américains, nous, on kiffe leur merde. Alors... Le rap vient de les Américains, je vous amène ce qui manque. Un délire, quoi. Et qu'est-ce qui manque, Wayne? Qu'est-ce qui manque? Qu'est-ce qui manque, c'est une saveur, une compréhension de la façon que les esclaves américains font la sauce. Car ils imitent des milliers de kilomètres à distance, mais personne de eux ont vraiment été vivre. T'entends? Dans la rue, dans les gangs. Vendu de la drogue, tirer son fusil, porter son fusil, aller en cours pour meurtre. T'entends, échanger des valeurs que ces Américains-là n'ont pas le choix de développer pour survivre. Qui amène, t'entends, de la science, quoi, de la magie. Ce sont des génies, ces putains de nègres. Il y a beaucoup de choses à apprendre d'eux, car lorsque tu fais des millions et que tu sors de Queensbridge ou de South Jamaica Queens, moi j'ai vu des milliers de mecs. Ils sont morts, ils n'arrivent pas. C'est chaud ça, t'entends? Moi je me rends en France, ça fait 15 ans que je suis dans le jeu, je travaille, maintenant la vérité va sortir plus. Vous croyez lorsque je dis que j'étais une légende dans Queens, que je raconte du baratin? Ben, on va voir qui rira le dernier, t'entends? Pendant que ces bracelets, bon c'est un minimum, pendant que ces Porsche, j'ai la Jaguar là, la nouvelle, mais c'est... Mais vous foutez de ma gueule ou quoi? Hein? Why not, t'entends? Faites très attention en 2008. Est-ce que Roynock aime la gastronomie française? Moi, je suis que sur le vin français, je suis végé, un petit peu de volaille, un petit peu de poisson. La seule viande que je mange, ce sont les putains de meufs. T'entends, je suis sur la France 24 heures. Même leur façon de mariner, j'adore. Les oignons, les légumes. T'entends, je suis sur la merde européenne 24 heures. Je suis jamais sur le McDonald's et ses merdes. Moi, je suis salutation à Nicolas Sarkozy, 24 heures, tu vois ce qui se passe. Moi, je suis pro-Sarkozy, 24 heures. Et ta nouvelle meuf, mais c'est ça que ça prend. C'est ça que ça prend. Vive Sarko. Tu vois ce qui se passe. Exclusivité, t'entends? Why not dans la putain de place? Ces mecs sont chauds. Hein? On va faire ça comme il faut. Hmm? Comme il faut. Hein? On va faire ça sans violence, car mon rap... vous pompe assez, t'entends? Vous pompe et vous pousse à faire ce rap, tu vois ce que je veux dire? Mais pour tous ces haïsseurs, pour tous ceux qui veulent ces diamants, sous ma langue, la lame de rasoir est toujours là. T'entends ce qui se passe? Les gros calico-lico sont chargés pour ces négros. T'entends ce qui se passe, mon petit nègre? Les gros calico-lico sont chargés pour ces négros. En pleine journée, même devant ton lycée, midi sonnant ou en dînant, mes nègres brigands. La guerre des étoiles, le roi Enoch chaud comme le soleil qui brûle la Californie. Mes rimes plus controversées que les tours jumelles. Mes opposants démissionnent comme Tony Blair. Roi Enoch, je tiens le coup et maintiens comme George Bush avec mon droit de veto et demeure sur ma position comme le président iranien. Sanction ou pas, mon rap nucléaire est au programme. La guerre des étoiles, équipez-vous mes camarades. Le virage au vert, mon végétarien est prié, Jésus ne changera rien. Fils, à cause de ces putains d'Américains, il faut s'armer. Comme mes amis israéliens, ils sont toujours prêts. Les Russes ont compris, les Chinois sont prêts. T'entends ce qui se passe? Exclusivité pour ces petites putes. Le gros calico-lico sont chargés pour ces négros. C'est. Les gros calico-lico sont chargés pour ces négros. En pleine journée, même devant ton lycée, midi sonnant ou en dînant mes nègres brigands. T'entends la guerre des étoiles. Petite pute, ça sent bien. T'entends une exclusivité. Je vous donne une petite aperçu de ce qui se passe dans ce vrai rap de merde. Tu vois ce qui se passe? C'est sérieux ce rap de merde. Hein? Salutations à Godfather Part 3. QB, t'entends? Ty Nitty, t'entends? Ça se passe. Twin Gambino, Lanky the Kid, acheté, t'entends? American Rat Killer. C'est cette vraie merde, faut supporter cette vraie merde. Roy Enoch arrive dans cette putain de lignée, t'entends? Faut respecter. Salutations à tous mes rappeurs de France.
qui tient coup, rough, j'adore le style. T'entends se promener avec un flingue, il fait la tôle et il médite en tôle. Tranquille, salutations à Rough, t'entends ce qui se passe? Salutations à Kerry James et tous mes putains de vrais nègres. Tu vois, hein? C'est Roy Knock, il est là. 92i, je sais que vous m'adorez, t'entends tous mes mecs du 92i, on fume l'hydro ou quoi? C'est Roy Knock, on va juste quitter un instant le rap un peu. Bientôt, c'est la Coupe d'Afrique des Nations, on sait que vous aimez, you like Africa. Est-ce que vous avez un petit pronostic pour les joueurs, pour l'équipe qui va gagner un peu la Coupe d'Afrique ou pas, non? Côte d'Ivoire, Ghana, Mali, Sénégal un peu, Maroc, non? Tous les territoires africains je représente, tu le vois dans le style de bracelet que je porte, je vous représente, je vous maintiens au travail. Tu vois ce qui se putain de passe, les diamants jaunes, on les appelle canaries, hein? Comme diamant canard, tu vois le genre? Diamant jaune, ça c'est extrêmement africain. Alors ils prennent ces trucs de nous, ça me rappelle d'où je viens, t'entends ce style de ça, c'est un 60 000 euros là, c'est chaud ça. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Alors l'Afrique est dans mon cœur, et tous ces joueurs de foot, ces joueurs de soccer, j'étais avec eux quoi, c'est l'oseille. Le rêve européen ou américain, c'est le même. Prier Jésus ne changera rien, alors un amour à l'Afrique. Thank you very much, Roy Knock. Ça se passe, frère, t'entends? Take it easy, man. In the hood, t'entends? In the hood, my nigga. My killer. Yeah, nigga. Merci beaucoup. Rive Sud, t'entends? Rive Sud.